Bonjour les permis B. Aujourd'hui, 70% des véhicules immatriculés sont des contrats de location. Moi-même, j'ai géré l'activité location courte et longue durée pendant 8 ans d'un département pour un loueur français spécialisé en véhicules industriels. Anti-arnaque auto va vous faire découvrir le montage financier qui permet de déterminer le prix d'un loyer. Vous pourrez ainsi le négocier de la même façon que vous pourriez le faire en achetant une voiture. Si demain, vous voulez négocier un prix en passant par une entreprise pour faire bâtir un mur, vous serez beaucoup mieux armé en connaissant le prix des matériaux et du temps nécessaire pour le construire, non? Il faut savoir que vous pouvez trouver une proposition de location chez un concessionnaire, mais aussi chez un loueur indépendant. Je vous laisse découvrir sur notre site l'article complet qui vous éclairera sur les différences qu'il y a entre les concessionnaires et les loueurs indépendants. Suivez-moi au tableau où je vais vous présenter les chiffres du pavé financier des différents loueurs qui déterminent le prix de votre loyer. Suivez-moi. Voici le pavé financier d'un concessionnaire et celui-ci correspond à un loueur indépendant. Donc, on va mettre aucun premier loyer pour simplifier le pavé financier. On va commencer par la valeur d'immobilisation. Donc, 30 000 euros pour celle d'un concessionnaire qui va immatriculer le véhicule et éventuellement mettre un flocage dessus parce que l'entreprise le demande s'il s'agit d'une entreprise. Le prix de revient donc est de 30 000 euros. La valeur résiduelle, c'est le prix qu'il aura estimé à terme de la fin du contrat, à savoir 36 mois plus tard, et pour un total de 36 000 km au total, il aura estimé que sur le marché, cette voiture coûtera 16 000 euros. Et donc, il va calculer maintenant la valeur à financer, qui sera valeur d'immobilisation moins valeur résiduelle égale valeur à financer 14 000 euros. Cette fois-ci, il va y rajouter des frais financiers. En fait, c'est pas lui, puisque lui-même va devoir revendre la voiture à un organisme financier qui va vous la louer directement avec ses frais financiers. Donc, nous allons arriver sur un loyer de 505,91 € pour ce montage financier. Là-dessus, sera rajouté les frais kilométriques, à savoir que le concessionnaire provisionne 3 centimes du kilomètre pour les pneus, l'entretien, les disques de frein, les risques techniques éventuels, et ce qui nous ramène à 30 euros supplémentaires par mois, et nous arriverons donc sur un loyer de 535,90 €. Maintenant, un indépendant, lui, toujours dans les mêmes conditions, hein, il s'agit d'un tableau comparatif. Il va partir sur une valeur d'immobilisation inférieure parce qu'il aura su rogner les prix parce qu'il travaille avec des centrales d'achat ou des constructeurs sur la base de 29 000 euros au lieu de 30 000 euros. Sa valeur résiduelle, il n'est pas là pour gagner de l'argent sur la reprise éventuelle de la voiture ou pour la remettre sur un pas. Donc, il est capable de la remonter un petit peu. Et donc, lui estimera qu'elle sera à 16 500 euros par rapport au marché 36 mois plus tard avec ses 36 000 km plutôt que de la mettre à 16 000. Donc la valeur financière, vous en voyez tout l'intérêt, elle est à 12 500 euros et non plus à 14 000 euros. Et cette fois-ci, elle sera financée avec 4% parce qu'il aura de meilleurs taux d'intérêt plutôt qu'en passant par un concessionnaire qui lui est maqué par un organisme de financement qui se sert en passant. Donc il va arriver sur un loyer total de 424 euros hors frais kilométriques sur lesquels il va rajouter donc 30 euros pour les frais kilométriques, 3 centimes par kilomètre, et il divisera ce total par un coefficient de 0,90 comme il aurait pu le faire à 0,88 ou 0,93, tout dépend de l'intérêt qu'il a à signer une flotte ou un véhicule. Et il va arriver sur un total de 504 euros. Il s'agit d'un exemple, mais vous voyez qu'on est proche des 7% d'écart entre les deux, mais ça pourrait très bien être supérieur. Si vous voulez établir le calcul du loyer par rapport au pavé financier, il vous faut une calculette financière. Personnellement, j'utilise ce modèle. Nous allons entrer la valeur d'immobilisation, 29 000 euros, que nous allons rentrer en négatif, PV, vous appuyez sur le prix de vente, sur 36 mois, avec 4% de frais financiers et avec une valeur résiduelle de 16 500 euros, future value. Donc nous arrivons à 424,05 €. Cette fois-ci, je rajoute 30 euros pour les frais kilométriques que je vais diviser par 0,90 pour la marge du loueur. Et j'arrive à 504,50 €. Quelle que soit la VR que le concessionnaire appliquera dans son calcul, elle sera toujours plus basse que le vrai prix du futur marché d'occasion.
En effet, en étant plus basse, il limite ainsi le risque financier en reprenant la voiture pendant ou à la fin du contrat. En rachetant vous-même le véhicule, ce sera donc toujours une excellente affaire, quitte à le revendre immédiatement. Vous récupérez ainsi une partie du surcoût de la location. A bientôt et merci pour vos commentaires et vos expériences en location auto. Ciao les permis B et pensez à vous abonner.